Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente donc cette magnifique blouse. Je vais vous mettre donc ensuite une séquence avec moi la portant pour que vous voyez la blouse portée. Donc, pour la réaliser pour une taille S, c'est une blouse déjà ample, on se sent bien dedans. C'est pas quelque chose de très serré. Donc, pour la réaliser, j'ai utilisé 5 bobines de fil Vivaldi. Vous voyez, c'est le fil d'été. Vous trouvez énormément de couleurs dans la boutique. Donc, pour taille S, 5 pelotes. J'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 3,5. J'ai également eu besoin de ciseaux et d'une aiguille Allen. Donc, voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, elle a le motif, vous voyez, en relief. C'est vraiment un très, très, très joli motif. Je vais vous l'expliquer aussi pour l'adapter en n'importe quelle taille, sur mesure, sur vous-même. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez dans notre boutique. Je vais vous mettre le lien juste ici. Pour faire d'autres tailles, donc c'est vraiment facile, puisque vous avez vu que le modèle en lui-même, je l'ai simplifié le maximum que j'ai pu. Donc, je l'ai adapté d'une façon que vraiment, vous pouvez l'adapter facilement en fait. Ça, c'est important, je trouve. Donc, regardez. Moi, j'ai monté pour une taille S. Tout simplement. 96 mailles. Ces 96 mailles, donc ici, j'ai mis pour la manche, donc une coquille, donc ça, c'est important. Une coquille, c'est 4 mailles. Tout simplement. Donc, j'ai fait un multiple de 4. N'importe quelle taille que vous voulez faire, il faut que ce soit un multiple de 4. Donc, ça, c'est important. Mais, pour vous aider mieux, moi, les 96 mailles, comment je les ai réparties? J'ai fait, donc ici, 4 coquilles pour la manche. Ici, j'ai fait 6 coquilles pour le devant et 6 coquilles pour le dos. Et de nouveau, 4 pour la manche. Donc ici, vous pouvez voir déjà qu'on a 6 fois 4, parce qu'il y a 6 fois multiple de 4. Une coquille, c'est 4 mailles. Ça fait 24 mailles pour le dos, 24 mailles pour le devant. Ici, 4 fois 4, 16. 16 pour chaque manche. Et plus chaque augmentation ici qu'on a besoin, c'est 4 mailles également. Donc ici, 4, 4, 4 et 4 mailles. Donc au total, de nouveau, 16 mailles. Et ça m'a donné 96 mailles au total. Si vous voulez une taille plus grande, donc ça c'est important, vous allez faire. Vous pouvez essayer de rajouter par exemple, ici, vous pouvez mettre par exemple 8 coquilles. Donc là, vous auriez mis par exemple 8 coquilles pour le devant et pour le dos. Donc 8, 8. Et pour chaque manche, vous pouvez mettre 5 et 5. En fait, il faut juste savoir que si vous voulez augmenter, il faut rajouter des coquilles dans chaque partie et chaque coquille, elle est multiple de 4. Tout simplement. Donc là, et toujours, évidemment, hein, les 4 coquilles obligatoires pour les augmentations du bord. Ici, ici, ici et ici. Vous voyez? Voilà. Tout simplement, vous rajoutez des coquilles pour avoir une taille plus grande. Et ça, vous allez le calculer tout simplement en faisant déjà une chaînette qui fasse le contour de votre col. Donc ça, c'est le plus important, hein, c'est la base. Donc moi, 96 mailles, ça faisait exactement le tour de mes clavicules, etc. Donc vous êtes comme ça. La mesure qu'il faut, c'est ici, de l'épaule. Vous allez devant, l'autre épaule. Vous faites la partie, le tour de votre dos. Et que vous soyez très à l'aise au moment donc, de passer la tête. Voilà. Et ensuite, vous faites votre petit dessin. Tout simplement. Vous essayez, donc par rapport au mien de dessin, vous essayez de faire celui-ci, par exemple, de monter ces mailles-là. Ça serait 8 fois 4, tout simplement, 32. Plus 32, puisqu'il y a une partie du dos et du devant.
Ensuite, donc, après ça, 5 fois 4, 20. Ça ferait 20 plus 20. Plus, ici, les 16 qui sont obligatoires dans n'importe quelle taille. Vous avez 16 mailles pour les augmentations. Donc, plus 16. Et vous faites ce calcul-là. Ça serait le nombre chaînette que vous devez faire. Quand dans le tutoriel, moi, je dis, on va commencer par 6V, parce que je fais des V, par 6 coquilles, quoi. Vous, vous savez, par exemple, que vous devez en faire 8. Ensuite, quand moi, j'en fais 4 pour la manche, vous en faites 5, etc. Et comme ça, c'est comme ça que vous allez augmenter. Après, ça dépendra, évidemment, vous, de la mesure que vous avez, par exemple, de la fin d'une clavicule jusqu'à l'autre, donc en fait de derrière le dos jusqu'à la clavicule. Vous verrez le nombre de coquilles qu'il vous faut. Ici, pareil, ça c'est important. Et donc c'est comme ça qu'on calcule. Donc, je pense avoir été vraiment très clair, hein, en fait, une coquille égale 4 mailles. Et vous allez en rajouter par rapport à ma taille si vous faites L, XL, XXL, etc. Donc, pareil pour les pelotes. Donc ça, c'est important. J'ai utilisé 5 pelotes de Vivaldi pour une taille S. Maintenant, si vous faites une taille M ou L ou XL, vous devez rajouter, évidemment, des pelotes. Je vous conseille pour chaque taille supplémentaire, environ 3 pelotes supplémentaires. Voilà, tout simplement. Après, ça dépendra également aussi. Donc moi, toujours pareil, hein, je suis faite comme ça. Donc là, c'est ma taille. Là, c'est mes fesses. Eh bien, moi, je fais toujours à mi-fesse les blouses. Après, si vous voulez la transformer en robe, vous pouvez, ou en tunique, là, il faudra compter plus de matériel. C'est normal. Voilà. Donc, voici comment adapter ce modèle. On commence la blouse par monter une chaînette de 96 mailles pour une taille S. Donc, on commence en faisant 96 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, comme ça jusqu'à en avoir 96. Une fois qu'on a les 96 mailles de montée, on va tout simplement faire en sorte que la chaînette reste bien droite et on va unir la dernière maille à la première par une maille coulée. Comme ceci, et on pique donc dans la première des 96. Et on vient faire une maille coulée. Et comme ceci, on va pouvoir travailler en circulaire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Ici même, au même endroit, on va venir faire une bride. Maintenant, vous allez venir sauter 1, 2, 3 et dans la quatrième maille, vous venez faire une V de nouveau. Donc dans la quatrième, donc on saute 1, 2, 3. Et dans la quatrième, vous faites une bride, deux mailles en l'air, une bride au même endroit. Donc là, on va commencer par la partie du dos ou devant, c'est les mêmes. Donc on va faire 6 motifs. 1, 2, on saute 3 mailles. Et dans la quatrième, de nouveau, une V. Deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Là, j'ai déjà 3 V, il m'en faut 6. 1, 2, 3, et dans la quatrième, je répète, une bride, 2 mailles en l'air, et au même endroit, une bride. J'ai ma quatrième, maintenant 1, 2, 3, et dans la quatrième, bride, 2 mailles en l'air, et au même endroit, une bride. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et je répète une dernière fois. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je refais une V. Comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va venir sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on va venir faire 2 brides. 1, 2. 1, 2 mailles en l'air. Et au même endroit, 2 brides. 1, et deux brides. Maintenant, on va faire la manche. Donc, pour faire la manche, on a besoin de 4 V. Donc, on saute 1, 2, 3 et dans la quatrième, on fait une V. Une bride, deux mailles en l'air et au même endroit, une bride.
De nouveau, 1, 2, 3. Dans la quatrième, une V, une bride, deux mailles en l'air. Et au même endroit, une bride. Là, on a déjà la deuxième V. Je saute 3 mailles. Dans la quatrième, je viens faire la même chose. Une bride, deux mailles en l'air, une bride au même endroit. Là, j'ai 3 V. Je saute 3 mailles. Dans la quatrième, de nouveau. Une bride, deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Et là, on a 4 V qu'on a besoin pour la manche. Maintenant, on saute 3 mailles. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on va refaire l'augmentation. Donc, 2 brides. 1, 2. 2 mailles en l'air et au même endroit, 2 brides. 1 et 2. De nouveau, on va faire donc le devant ou le dos, hein, c'est la même chose. On va refaire les 6 V. Donc, on saute 3 mailles, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on commence à faire la première V des 6 que l'on doit faire. 2 mailles en l'air, au même endroit, une autre bride. Et je répète ça jusqu'à avoir mes 6 V. Là, on a 4 V. On saute 3 mailles. Dans la quatrième, encore une V. Donc là, on en a 5. Et je finis par ma sixième V. Une bride, deux mailles en l'air et au même endroit, une bride. Maintenant, on saute 3 mailles. Et dans la quatrième, on refait l'augmentation. On fait 2 brides au même endroit, 2 mailles en l'air et au même endroit de nouveau, 2 brides. 1 et 2. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est la deuxième manche. Donc, on saute 3 mailles et dans la quatrième, on fait la première des 4 V que l'on doit faire. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On saute de nouveau 3 mailles et dans la quatrième, on répète. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Je recommence, je fais ma troisième V. Je saute 3 mailles, dans la quatrième, je fais ma quatrième V. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Maintenant, donc, j'ai fait mes 4 V. On saute 3 mailles et dans la quatrième, là, je dois faire une augmentation. Donc, on va faire, rappelez-vous, 2 brides. 2 mailles en l'air et au même endroit, tout simplement 2 brides. Et maintenant, oui, je peux unir à la troisième maille en l'air de départ. Vous voyez, je saute 3 mailles, 1, 2, 3. Et je dois unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Voilà ce qu'on a obtenu à la fin de ce rang. Donc, pour résumer, nous avons fait, donc là il y a une augmentation, là une augmentation, ça c'est le devant. Ici, il y a le dos et là il y a les manches. Voici le rang numéro 1 terminé. Maintenant le rang numéro 2 qui est super facile. On commence par envelopper les 3 mailles en l'air. Donc, regardez, je vais vous approcher l'image. Vous allez passer en dessous les 3 mailles en l'air. Vous récupérez le fil. Vous le faites passer en dessous les 3 mailles en l'air, vous voyez. Et on fait une maille coulée. Maintenant, 1, 2 et 3 mailles en l'air qui voient une bride. Au centre de la V, vous allez faire 3 brides. 1. Deux, trois, une maille en l'air et au même endroit, trois brides. Une, deux et trois brides. Et la deuxième bride de la V, vous l'enveloppez par devant
et vous la faites en relief par devant. Là, on a terminé un petit coquillage. Donc, moi, j'appelle ça comme ça. Ça me rappelle vraiment des coquillages. Ensuite, ici, on a la deuxième V. On fait pareil. On enveloppe la première par devant et on la fait en relief par devant. Au centre de la V, toujours pareil. Trois brides. Une, deux et trois. Une maille en l'air et au même endroit, trois brides. Une, deux, trois. Maintenant, la deuxième bride de la V, vous l'enveloppez par devant et vous la faites en relief par devant. Là, on a deux coquilles de fête. Eh bien, vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir les six. Donc, jusqu'à arriver à votre augmentation. On en a six à faire. J'ai terminé donc de faire mes 6 coquilles. Donc maintenant, on arrive à l'augmentation. Ici, les deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Et bien au centre, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est la même chose. Vous venez, vous faites deux brides. Une, deux, deux mailles en l'air et au même endroit, deux brides. Tout simplement. Et ça, à chaque fois que vous allez arriver ici, vous allez faire la même chose. Donc sur les augmentations, augmentation. Et maintenant, vous continuez. À chaque fois que vous voyez des V, vous allez envelopper la première bride en relief. Dedans, vous faites toujours pareil. Trois brides. Deux. Trois. Une maille en l'air et au même endroit, trois brides de nouveau. Une. Deux. Et trois. Et on termine en enveloppant la deuxième bride en relief par devant. Donc ça, vous le faites à chaque fois que vous allez voir des V. Et quand vous allez tomber sur l'augmentation, si vous n'arrivez pas bien à distinguer, vous mettez un petit marqueur ici, dans la suivante et ici. Vous voyez? Vous pouvez les marquer, les augmentations, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est ce qu'il faut répéter tout votre rang. Donc c'est très facile. Je vous ai montré tout ce qu'il fallait savoir ici. J'ai terminé le rang et je vous ai mis des marqueurs dans les augmentations en fait pour que vous, vous voyez mieux. Donc, voilà où sont mes augmentations, vous voyez. Donc, maintenant, en terminant, vous faites une maille coulée à la troisième maille en l'air de départ. J'ai terminé par mon augmentation. Maintenant, le troisième rang, donc c'est là qu'on va commencer à augmenter. Donc, autour de l'augmentation, vous voyez, ici, on a l'augmentation. De ce côté-là, à droite et à gauche, on va devoir faire une nouvelle V. Et les motifs, eh bien, ils vont s'agrandir. Donc, du coup, ici même, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et ici même, vous venez repiquer au même endroit, donc entre l'augmentation et le motif, ici dans l'espace, vous venez piquer et vous faites une bride. Maintenant, donc ça fait partie de l'augmentation. Ici, il y aura les deux brides, deux mailles en l'air, deux brides, cette V et une V juste avant. Vous voyez? Mais, donc le motif normal que vous devez répéter. Au centre de chaque coquille, là où on avait fait la maille en l'air, vous devez faire une nouvelle V. Donc une bride, deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Vous passez au motif suivant et vous faites la même chose. Une bride, deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Le motif suivant au centre, pareil. Une bride, deux mailles en l'air, une bride au même endroit. Au centre du motif, une bride, deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Jusqu'à arriver donc à l'augmentation. On va répéter toujours la même chose. Maintenant, donc je suis arrivée à l'augmentation. Comme je vous disais de l'autre côté, ici à l'augmentation, il y a mon marqueur. Avant et après, on va faire une nouvelle V. Donc, on commence entre le dernier motif des 6 et l'augmentation. Entre, je fais une bride, deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Ici, où il y a l'augmentation, donc ça ne va pas du tout changer. On fait deux brides, une et deux. Deux mailles en l'air et au même endroit, deux brides, une et deux. Juste après l'augmentation, vous voyez une nouvelle V. Donc, une bride, deux mailles en l'air et
une bride ici. Vous voyez? Et là, du coup, par exemple, on avait 6 motifs, 6 coquilles. Maintenant, on en aura 8. Parce qu'il y en aura une extra ici et une extra ici. Ensuite, ça fera 10, 12, 14. Comme ça, tout le temps. On va augmenter 2 par 2. Un là et un là. Un là et un là par partie. Donc là, le motif reste normal. Dans les 4 motifs coquilles qu'il y avait déjà au centre, on fait une V. Donc là, on est sur la manche. Je vais dans l'espace suivant au centre. Une bride, 2 mailles en l'air, au même endroit, une bride. Au centre, de nouveau pareil, une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Pareil dans le dernier motif. C'est vraiment un point très facile. Et si vous avez fait le châle que j'ai fait récemment, vous comprenez par cœur ce que je dis. Donc maintenant, juste avant, vous voyez l'augmentation. Ça y est, je suis arrivée à mon augmentation. Juste avant, on fait la V qui est extra, entre l'augmentation et le motif. Une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Maintenant, au centre de l'augmentation, là, ça ne change pas du tout. 2 brides, 1, 2. On fait 2 mailles en l'air et au même endroit, tout simplement 2 brides. Maintenant, on passe entre ici et ici. Et je fais ma V extra qui va juste après l'augmentation. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Au centre de mes coquilles, ben, normal, des V, comme on a fait jusqu'à maintenant. Bride, 2 mailles en l'air et une bride. De nouveau, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc ça jusqu'à arriver où il y a l'augmentation. Je suis arrivée où il y a l'augmentation, donc juste avant, vous faites une V, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Au centre, normalement, comme on a fait jusqu'à maintenant, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc ça, ça ne va jamais changer, comme je vous disais. Maintenant, vous passez juste après l'augmentation et entre l'augmentation et le motif suivant, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Au centre des coquilles qui me restent, une V au centre où il y a la maille en l'air. Presque terminé. Et ici de nouveau une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et on termine donc le rang. Vous voyez ici il y a le début de mon rang. Ici à l'augmentation, juste avant une V, donc une bride, 2 mailles en l'air et une V. Ici entre le motif et l'augmentation. Au centre où il y a l'augmentation, pareil, vous faites les 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Une et deux. Et on va venir unir à la troisième maille en l'air de départ. Une, deux, trois. Par une maille coulée. Vous voyez? Et là, donc, j'ai terminé mon rang de V. Maintenant, tout simplement, donc on a fait 1, 2 et 3. Donc là, on vient de terminer le rang numéro 3. Tout simplement, on va répéter le rang numéro 2. Donc, c'est-à-dire que dans le rang de remplissage, il n'y a pas d'augmentation, on ne fait pas d'augmentation. Je veux dire, on ne va pas ajouter de motifs. L'ajout de motifs, il se fait quand on fait le rang de V. Vous voyez, ici, dans le motif qui va dans les angles, avant et après, vous avez une V extra. Mais sinon, dans le rang de remplissage, vous commencez exactement comme le rang numéro 2 et vous faites exactement le rang numéro 2. Donc, vous commencez par envelopper les 3 mailles en l'air, mailles coulées. 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Et au centre de la V, vous allez faire 3 brides. 1, 2, 3.
une maille en l'air et trois brides au même endroit. Une, deux, trois. Et la deuxième bride de la V, vous l'enveloppez par devant et vous la faites en relief par devant. Ça, vous allez le faire dans toutes les V jusqu'à arriver à l'augmentation. Donc la dernière V est là. Vous allez faire donc au total vos 8 coquilles, comme je vous disais. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et quand on arrivera à l'augmentation, tout simplement ce qu'il faut faire, c'est très facile. À l'intérieur, vous faites pareil, toujours pareil. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, vous passez à la manche et vous enveloppez vos motifs, vos coquilles tout à fait normalement. Quand vous arrivez ici à cette augmentation-là, vous faites exactement la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, etc. jusqu'à terminer le rang. Donc, vous le terminez comme je vous ai montré dans le rang numéro 2. Ensuite, vous allez répéter donc. Ensuite, vous allez répéter tout simplement le rang numéro 3. Donc, le rang numéro 5, c'est le rang numéro 3. Et vous allez faire vos V. Donc, quand vous arrivez, donc vous faites vos V. Quand vous arrivez ici, donc là, au centre, dans le motif des angles, avant, une V extra, juste ici, regardez. Et une V extra, ici. Et au centre, deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Exactement ce qu'on a fait dans le rang numéro 3. Et vous allez voir que cette partie-là du haut va commencer à grandir, 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 grandir. Ensuite, vous vous arrêtez là où vous estimez que vous pouvez former les manches. Donc, quand vous voyez que vous pouvez faire le tour de vos bras, vous arrêtez et on formera les manches. Donc, c'est très facile. Vraiment, vous répétez donc le rang 3 et 4, 3 et 4, ou 2 et 3, 2 et 3, etc., jusqu'à avoir donc la partie donc désirée au niveau de la poitrine, tout ça, et que vous puissiez bien former les manches, vous soyez quand même à l'aise. Voilà. Donc je continue et on se retrouve. Je suis sur le point d'unir. Donc au total de coquilles en entière, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangs de coquilles, donc qui équivaut à 10 rangs. Car 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous savez qu'il y a un rang de V et un rang de remplissage. Donc maintenant, je vais unir à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Comme ceci. Et là, pour ma taille, c'est suffisant. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le veux pour ma taille S. Et si vous avez fait vraiment une beaucoup plus grande taille, vous pouvez continuer à l'infini. À partir du moment où vous pouvez, donc en unissant l'augmentation ici et l'augmentation suivante, voyez, vous avez de quoi passer votre bras et vous êtes à l'aise à niveau poitrine, vous arrêtez. Donc maintenant, on va commencer un nouveau rang. Donc pour commencer un nouveau rang, tout simplement, regardez ce qu'on va faire. On va commencer comme d'habitude. Ici, on fait une V. Donc, on fait 5 mailles en l'air et au même endroit, on refait une bride. Donc, entre l'augmentation et le premier motif, ici dans l'espace, une V. Maintenant, ce qu'on fait, c'est au centre du motif suivant, les V. On va faire un rang normalement, donc je veux dire jusqu'à arriver ici. On va faire toute cette partie normalement. Donc, on continue. Au centre de chaque coquille, on fait notre V. J'ai terminé de faire toutes mes V et je suis arrivée ici où il y a l'augmentation. Donc juste avant, on fait comme d'habitude, on fait ici pour plus d'ampleur, vous voyez, une V. Donc une bride, deux mailles en l'air et au même endroit une bride. Maintenant au centre de l'augmentation, on ne va plus faire d'augmentation mais on va faire un motif. Donc c'est-à-dire qu'ici, vous faites une V normale, une bride, deux mailles en l'air et une bride. Maintenant, on va venir plier toutes ces coquilles-là. C'est la manche. Je viens plier en deux. Et je vais venir à l'augmentation suivante. Donc, l'augmentation qui est là, je fais pareil. Donc, au centre, je fais une coquille, donc une V. Ici, entre l'augmentation et le prochain motif, au centre, entre les deux,
Vous faites votre V. Ici, dans la coquille, une V. Et là, vous continuez normalement jusqu'à faire toute cette partie-là qui est le dos ou le devant. De toute façon, les deux côtés sont pareils. Vous continuez toute cette partie-là qui est le dos. Et arrivé à l'autre augmentation, on se retrouve. Je suis arrivée, donc j'ai fait toute cette partie-là. À l'autre côté, donc on va reformer la seconde manche. Là, pareil, entre ce motif-là et l'augmentation, entre les deux, vous faites une V. Donc une bride, deux mailles en l'air et au même endroit, une bride. Dans l'augmentation, une V, donc normale, une bride, deux mailles en l'air. Et au même endroit, une bride. Maintenant, vous venez de sauter donc toute cette partie-là, toutes ces coquilles-là qui sont la manche. Et vous venez tout simplement à l'augmentation suivante, qui est ici. Et vous faites une V à l'intérieur. Donc, une bride, deux mailles en l'air et une bride. Et maintenant, on unit à la troisième maille en l'air de départ. Une, deux, trois. Par une maille coulée. Et là, nous avons formé les manches de notre blouse. Vous voyez? Là, vous pouvez voir vraiment le motif, comme il est vraiment très, très joli. C'est vraiment un joli motif. Maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, c'est travailler le motif habituel, toute la partie du bas. Donc, pour cela, tout simplement, normalement, circulaire, vous allez faire un rang de remplissage. Là, vous n'avez que des V. Donc, vous commencez comme d'habitude, on enveloppe les trois mailles en l'air et on fait la maille coulée. Une, deux, trois mailles en l'air. Au milieu, vous faites trois brides. Une, deux, trois. Une maille en l'air et trois brides au même endroit. Une, deux et trois. Et on termine la coquille en enveloppant la deuxième bride de la V en relief par devant. Je passe à ma V suivante et je fais pareil. La première bride, je l'enveloppe en relief par devant. À l'intérieur, vous faites trois brides, une maille en l'air et au même endroit trois brides. Une, deux, trois. Et la deuxième bride de la V, vous l'enveloppez en relief par devant et vous la faites. Ça, vous allez le faire tout le rang. Ensuite, vous allez faire le rang de V. Donc au centre de chaque motif, tout simplement pareil. Hein, une bride, deux mailles en l'air, une bride. Tout simplement. Le rang suivant, vous le commencez exactement comme celui que je viens de vous montrer. Et vous remplissez vos coquilles. Et ça, vous allez le faire la longueur désirée. Donc que ça soit mi-fesse, en haut des fesses, en bas, en tunique, enfin. Ça, après, c'est vous qui voyez. Et ensuite, quand on aura terminé ça, on fera quand même une terminaison au niveau du col pour qu'il soit plus joli. Et on aura terminé la blouse. Donc comme je vous disais, c'est une blouse très facile, mais dans le même temps, magnifique, puisque regardez, le point est vraiment très joli. Vous passez pas inaperçu quand vous portez ce genre de haut. Donc vraiment, c'est vraiment très joli. Donc voilà, on se retrouve. Je voulais vous montrer quelque chose. Donc j'ai fini de remplir toutes mes coquilles, hein, normalement. Mais quand on doit commencer le rang de nouveau de V, il faut que vous le commenciez comme ceci. Vous faites maille coulée, maille coulée, maille coulée et maille coulée. Quand vous arrivez ici où il y avait la maille en l'air au centre de la coquille, là vous commencez la V. 1, 2, 3, 4, 5 et au même endroit une bride. Vous voyez? Parce que là on a uni entre coquille et coquille. Et ici il n'y a plus de V entre motif et motif. Il n'y a plus d'augmentation donc c'est bon. Maintenant tout simplement il n'y a que des V au centre des motifs. Donc vous commencez les rangs de remplissage par les mailles coulées jusqu'à arriver au centre et là vous faites votre V. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc maintenant ici de nouveau. Une V, une bride, deux mailles en l'air et au même endroit une bride. Comme ça tout le rang, ensuite un rang de remplissage. Quand vous avez la longueur donc désirée, je vais vous le mesurer ensuite, vous allez tout simplement faire une maille coulée à la troisième maille en l'air de départ, donc dans un rang de remplissage. Maintenant vous faites une maille en l'air. Vous prenez le ciseau et vous allez venir couper le fil. Vous tirez et ce fil-là, il faut tout simplement le cacher. Donc une fois que c'est bon, donc on a la blouse voulue, moi ce que je vais faire, c'est reprendre mon fil et je vais lui faire tout simplement une finition au niveau du col. Donc moi, comme d'habitude,
Alors le col, là, il peut vous paraître carré comme ça, mais au moment de le porter, c'est comme ceci que ça fait. Donc maintenant, je me rattache et je vais venir tout simplement travailler dans chaque maille que j'ai devant moi. Donc je me rattache d'abord, je fais une maille avec les deux morceaux de fil, je sépare et dans toutes les mailles, je vais faire le point de crabe. Hein. Je recule et je fais une maille serrée. Je recule et je fais ma maille serrée. Je recule et je fais ma maille serrée. Et ça, c'est ce qu'on va venir faire tout le tour. Ça va un petit peu resserrer le col et ça va faire un petit détail féminin comme j'aime. Mais après ça, c'est vraiment question de goût. Vous pouvez faire un rang de, par exemple, si vous n'aimez pas ce point, de maille coulée ou de maille serrée normale, enfin bref. Ça après, ça dépend du goût de chacun. Donc je continue et on se retrouve. J'ai terminé de faire tout mon tour. Maintenant, vous coupez et tout simplement, on va tirer. Avec une aiguille à laine, on va venir derrière faire un petit nœud. Et ça va faire plus joli pour la finition. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Donc ça, je trouve que c'est un joli détail pour le col. Ça la referme un petit peu. Et donc, voilà ce que j'ai obtenu. Donc moi, les manches, je vais les laisser telles quelles. Je trouve ça très joli que ça fasse un petit peu ondulé. Idem pour la partie du bas. Ça fait vraiment un joli détail. Donc je vais cacher tous mes fils et on se retrouve. Donc je vais vous mesurer du col, vraiment du col, jusqu'à la partie d'en bas. Il fait 55 cm. Ensuite, de largeur, je vais vous le mettre comme ça. Donc d'une manche à l'autre, 44 cm. Ici, donc au niveau de la poitrine, il fait, regardez, ça s'élargit hein, quand vous le mettez, hein, il est vraiment pas du tout ajusté, on est très bien dedans en fait, bien fluide, comme ça on n'a pas chaud. 45 cm. Ensuite, le tour de col, 24 cm. Et donc dans la partie basse, d'en bas, au niveau des hanches on va dire, 50 cm. Voilà les mesures donc de la blouse. Donc voilà, vous avez eu les mesures. Et j'espère que, donc, que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à visiter donc nos sites lydiacrochettricot.com et lydiacrochettricot.org où vous trouvez des centaines de tutoriels complètement gratuits. Donc, voici. Donc, si vous avez des points que vous voudriez que j'adapte en blouse, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Bisous!